Oui, alors voilà, je suis arrivé du bas, j'ai entendu un bruit. Je suis monté dans la chambre et puis oui, il était passé à travers du plafond, et les deux jambes qui pendaient, quoi. Dans la chambre de Corinne et Régis et mère, les dégâts ont été réparés à la va-vite, les laissant sans lumière, avec une plaque de plâtre bancale juste au-dessus de leur lit. En montant dans les combles, Yannick découvre que c'est tout le travail qui a été mal fait. Très bien. Okay. Les ouvriers ont déroulé de la laine de verre sur l'ancien isolant, mais ils ont oublié un détail important. Donc ces deux isolants-là, donc le premier, logique, qui est le craft côté volume chauffé, jusqu'ici tout va bien. Oui. Le deuxième, par contre, qui a été rajouté par la suite, aurait dû être nu, c'est-à-dire que le craft, on aurait dû l'enlever, soit l'enlever, soit le taillader. Ah, d'accord. De façon à ce qu'il n'y ait pas de condensation qui se crée entre les deux. Il faut que l'humidité puisse s'évacuer. En fait. Oui, d'accord. De l'humidité va se créer entre les deux papiers cartonnés et détériorer la laine de verre, ainsi que le plafond de la maison. Inclus dessus le lambda. Ah, oui, oui. L'isolant a été posé n'importe comment et laisse des jours le long de chaque poutre. Sur son téléphone, Yannick branche une petite caméra qui mesure les déperditions de chaleur. Donc pour vous montrer, en fait, sur le plafond de Régis reste une passoire thermique. Donc nous sommes sur des zones de bleu. Ah oui. Et vous voyez là les lignes rouges. Oui, rouges. Les lignes rouges, oui. Ça, ce sont les pertes de chaleur que vous avez au niveau de vos poutres. En fait, donc si, y en a là. Hein. Si on fait le tour, vous allez voir. Oh, le bleu. Ah, le bleu, c'est bien, c'est que c'est bien isolé. Par contre, dès qu'on arrive sur du rouge, ce sont des pertes de chaleur. Ah oui. Regardez. Donc ça, c'est du chauffage qui s'échappe. Oui. Voilà. D'accord. Vous chauffez votre toit. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la méconnaissance des poseurs, des personnes qui viennent réaliser le travail, ou si c'est juste parce qu'il faut aller vite, c'est une question de rentabilité. Mmh. Mais le fait est que, voilà, l'effet escompté, votre gain énergétique de 30% ne sera jamais au rendez-vous. Le couple avait été démarché par téléphone. D'accord, et la facture était donc déjà établie. Est-ce qu'ils sont venus voir avant, là, votre maison, avant d'attaquer les travaux? Non, ils sont venus qu'une fois. Ils ont bien demandé ce que vous voulez. Mais la surface qu'ils nous ont demandé, les mètres carrés qui valaient pour les rouleaux, tout ça, la surface, il y avait à couvrir, quoi. Oui, c'est tout. Pourtant, la facture fait état d'une date de visite préalable, le 21 août, soit 3 jours avant la date des travaux. Une visite qui n'a jamais eu lieu. Ils l'ont marqué, mais ils ne sont pas venus le faire. Ils l'ont marqué pourquoi? Parce que sans cette phrase-là, ils n'auraient pas touché la prime C2E. En fait, c'est une mention obligatoire. Ils ont inventé une date. C'est ça, ils ont inventé une date de devis, un numéro de devis qui est factice. Voilà. Que dire de plus? L'entreprise qui a réalisé les travaux s'appelle Isoclos.